Je m'appelle Philippe Gazot et j'interviens dans le master encadrement éducatif. Je suis formateur à l'ESPE et j'ai été conseiller principal d'éducation. Alors la question qui m'a été posée consiste à essayer de savoir quelles sont les compétences développées dans ce master encadrement éducatif. Alors la première de ces compétences me semble être la capacité à mener de front plusieurs activités, ce qu'on retrouve un peu dans la fonction de CPE, dans l'émission de CPE et dans le métier de conseiller principal d'éducation. C'est-à-dire qu'on va demander aux étudiants à la fois de préparer un examen, qui est donc ce master encadrement éducatif, et de préparer le concours de CPE, donc examen-concours, deux finalités différentes. On peut aussi remarquer que ce master permet de conforter les valeurs républicaines qui sont attendues de tout agent de l'État, de tout fonctionnaire. Et c'est extrêmement important, c'est-à-dire une capacité à encadrer les élèves et aussi à être un cadre valide, un cadre capable de lui-même savoir où il en est. Et ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire ce master permet de mettre en pratique les valeurs que les étudiants seront en tout cas appelés à incarner dans l'établissement scolaire. Ces valeurs que l'on réclame de la part des élèves, il faut être capable d'en éprouver les principes, de les assumer et de les pratiquer. À la fois la capacité à être force de proposition, capacité à articuler ses compétences avec celles d'autres personnels. C'est-à-dire que si je veux être un conseiller principal d'éducation, il va falloir que je connaisse aussi la fonction des autres personnels de l'établissement pour mieux m'y articuler. C'est un master qui vaut indépendamment de la réussite au concours de conseiller principal d'éducation. Pourquoi ? Parce qu'il permet de développer des compétences que l'on peut valoriser, en tout cas à tout moment, de sa vie professionnelle, de sa vie sociale, de sa vie personnelle. Bonjour, Martine Payen, je suis co-responsable du master encadrement éducatif. La toute première perspective, c'est évidemment le concours CPE, le concours externe, qui est la voie la plus courue, hein, la plus enviée, mais où très peu sont sélectionnés puisqu'il y a peu de postes. L'autre possibilité, évidemment, c'est le concours interne, mais cela demande quand même une expérience d'établissement pendant plusieurs années. La possibilité aussi, et certains le font, de passer le concours ministère de l'Agriculture pour les lycées agricoles. Autre possibilité, c'est de pouvoir faire la fonction de conseiller principal d'éducation comme contractuel en établissement public, mais aussi dans le privé, car il n'existe pas de concours du privé. Possibilité aussi d'exercer cette fonction de conseiller principal d'éducation à l'étranger avec l'AEFE, donc l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Possibilité de passer les concours de la PJJ, donc protection judiciaire de la jeunesse. Nous avons tous les ans des étudiants qui réussissent dans ce parcours. L'année de M1 en master MEF, qu'il soit premier degré, second degré ou CPE, encadrement éducatif, donne pour le M1 l'équivalent du BAFA, pour le M2 l'équivalent du BAFD. Nous avons aussi quelques exemples dans les centres aussi sportifs. Hein, donc celui qui a eu un cursus par exemple de STAPS, qui après a fait un master MEF encadrement éducatif, peut lui aussi avoir des compétences intéressantes et un profil intéressant pour les collectivités territoriales. Autre possibilité, les concours ITRF, donc ingénieurs administratifs des personnels techniques de recherche et de formation. Donc là, ce sont tous les personnels administratifs des universités et du rectorat. Il y a aussi toutes les missions de lutte contre le décrochage, où certains de nos étudiants aussi ont réussi très rapidement avec le master à être sélectionnés pour ces missions. Voilà, n'hésitez pas à venir vers nous puisqu'il y a des situations très très précises, des profils aussi qui peuvent être intéressants et pas seulement pour l'éducation nationale.